Salut tout le monde, c'est Mustang et on se retrouve pour l'acte final, je pense, du Royaume des Anges. On va remonter tout en haut de cette tour. Bon, ça va, il y en a pour 2 minutes, hein, vu qu'on avait déjà tout fait pour botter le cul à l'Arcon, parce qu'il s'est bien foutu de notre gueule. Dans l'épisode précédent, on est allé faire tout un donjon et plein de trucs vachement compliqués. D'ailleurs, j'ai été même chercher une soluce parce que j'avais pas le temps de finir. Enfin, j'aurais pas pu finir l'épisode à temps sinon, et j'aurais pas pu faire une autre fois. Donc, je suis désolé pour ça, encore une fois. C'est la première et dernière fois que je le ferai. Et bref, le scribe nous a dit qu'en fait, l'ange corrompu depuis le début, qui avait corrompu tous les autres, c'était l'Arcon. Et du coup, en fait, ça veut dire que c'est foutu de notre gueule, qui nous a envoyé sur Terre tuer des hordes et des hordes de zombies pour lui récupérer son sceptre à la con pour qu'il soit encore plus puissant, quoi. Donc là, on va aller lui botter le cul. De toute façon, c'est le nom de l'objectif, hein, c'est marqué affronter l'Arcon, je crois, ou battre l'Arcon, un truc comme ça. Donc avant, par contre, lui, je vais lui acheter des potions. Gardez vos... J'ai tout ce dont les anges comme toi ont besoin. Non, là, je suis de survendre. Moi, je veux des potions, s'il te plaît. Potions de soins. Que la lumière éclaire. Je fais un point stock, un point 5. Est-ce que t'as du nouveau matos? 29%, ça baisse trop de stats. En armes, t'avais des trucs sympas, je crois, toi. Ok, non, en fait, ça pue ce que t'as. Vendre, on s'en fout. On vendra ça au prochain marchand qu'on croisera. Les anges ne sont pas contre. Et du coup, c'est parti. On va aller botter le cul à ce petit enfoiré. On va s'équiper, on va faire ça bien. Alors, je prends. Donc ça, c'est ma faux. Et l'autre, elle était légendaire. Elle faisait quoi? Spécialité doigt de Midas. Afficher les statistiques. Arme principale, dégâts par seconde. Ça dit pas ce que ça fait en fait, la spécialité. Plus d'infos. En fait, je crois que ça donne plus d'or, mais on s'en fout un petit peu. Donc on va garder ça. On va garder ça. Et là, est-ce qu'on prend la hache ou est-ce qu'on prend les gants qui régènent? Je pense qu'on va garder ça, et par contre j'ai des points de compétence à mettre. Oh, j'ai une technique spéciale. Tempête moissonneuse. Death devient une tornade de débris et de fragments osseux. Macabre, Malestorm, ravageant tous ceux qui touchent. Point de courroux consommé 400, dure 4 secondes. Point de dégâts infligé tous les 1. Point de dégâts infligé. Jusqu'au bout, ok, j'ai déverrouillé un succès en plus. Hop, amélioré, et par contre, comment je fais? Voilà. Point de dégâts infligé toutes les 2. Point de dégâts infligé par explosion. Prochain niveau, point de courroux consommé 400, dure 8 secondes, et 1200 dégâts. Ok, bah nickel, on va aller l'utiliser contre le boss. On va aller l'utiliser contre le boss, écoutez. Du coup, le truc de puissance, je l'utilise rarement. Du coup, on va le foutre à LB, LB plus ça. LB plus X, c'est bon. Y, les corbeaux. Les corbeaux, j'utilise jamais aussi. En fait, là c'est l'arbre d'attaque, je viens de capter, et là c'est l'arbre de défense. Donc on va rester comme ça. On va se prendre une potion. Donc là j'ai bien ma grosse hache de bourrin. Là j'ai mes faux. Et hop, on est parti. D'ailleurs, vu que c'est un petit peu long, je vous propose qu'on se retrouve directement devant l'Arcon, les amis. Donc à tout de suite. Et du coup, les amis, on se retrouve devant l'Arcon. Donc ça y est, on va lui poter le cul. C'est parti. Je suis chaud là pour lui mettre bien profond en tout cas. Oh putain, c'est Diablo! What the fuck? Ah ok, il obéit au diable en fait, le gars. Enfin, ou alors il travaille avec le diable. Je sais que vous l'avez. Elle est à moi! Même quand il me l'a ordonné, je n'ai pas pu détruire la clé. Tu dois comprendre, cavalier, je n'avais pas le choix. Ah, j'ai ouvert le puits et protégé la clé de toutes leurs questions et de toi. Ok, donc en clair, t'as tué tes potes, quoi. Moi seul suis digne de la clé. Oh. Putain, j'ai cru qu'il nous avait tué, enfin envoyé un truc qui nous avait traversé. Oh, d'accord, il se téléporte. Oh, stylé. La lumière sacrée du divin. Ouh, alors là, je suis chaud. Je suis chaud pour te défoncer, mon gars. Alors, on va faire gaffe à ça. On attaque. J'ai des cailloux. Oh, on s'éloigne de la lumière. Oh,
C'est bon, c'est fini. Esquive, double esquive, triple esquive. Qui a la plus grosse bite. Ah par contre il a pris le bâton. Succès déverrouillé, aile brûlée. Clé des anges. Cette clé sacrée vous ouvrira la voie du puits des âmes. Ah par contre moi j'aurais bien aimé une cinématique où... où on voit vraiment crever et où on nous file la clé. Alors retournez auprès du Corbin. Déplacez-vous instantanément dans les zones découvertes et appuyez sur Start. C'est parti. Retourner près du pieu Corbin, ok. Ok. Voilà. Voilà, on va enlever ça. J'étais en train de chercher comment enlever. Hop. Arbre de vie, déplacement instantané. C'est parti. Oh, bah voilà un combat vachement épique, vachement sympa. En plus, ouais, il était vraiment. J'avais acheté 5 potions, ce qui est le maximum que je peux porter. Et je les ai utilisées, donc. J'ai la clé des anges. Sympa, alors, tu es prêt du but? Je peux ouvrir la voie, Hadès. Mais tu dois trouver l'autre clé.
Celle des démons. Oui, sois prudent. Tu vas plonger au cœur des ombres. Ok. Je vais rester ici, avec l'arbre, au cas où tu aurais besoin de moi. Et si je ne m'abuse, on a ouvert tous les portails, parce que là il y a les deux derrière. Ah non, il restera un monde. Ah mais non, c'est quoi ce monde? C'est ce monde des anges. Donc ça c'est celui où on est, donc c'est normal qu'il soit fermé. On a ouvert les deux mondes, les deux autres mondes, et là on a le troisième et dernier monde, si je dis pas de conneries, logiquement, et le monde des démons. Donc fait chier, on va retourner dans un truc, j'espère que ça sera pas du tout comme le royaume des morts. Allez, on va regarder ce que c'est parti. De succès. Alors, la reine des mantes, explorer la frontière de l'ombre. Ok, alors, point de compétence obtenu. On va les mettre tout de suite avant que j'oublie. Tac, tac. Donc, j'ai tout mis là. Donc là, j'ai un nouveau truc. Goliath enragé. En plus de protéger Death, elle dit renforce ses sens. Ouais, ça, j'avais déjà pris. Les traits de foot jaillissent. Hop, on va protéger. Accroît la durée et réduit le coût d'activation. Ok. On va prendre les trucs défensifs un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on prend cher. Oh, en tout cas, bien stylé. Ah bah le voilà, le fameux monde. Ah oui, c'est vrai que dans mon intro, j'avais mis ça, le petit soleil, là, que vous voyez Ah, je trouve plus le mot. Le soleil qu'on voyait dans mon intro, bien sûr, mais dans le trailer, voilà, dans le trailer du jeu que j'avais pris. Et par contre, regardez-moi ce reflet sur la porte. Donc oui, c'est bien ça, regardez là, la porte des démons est forcément fermée, et donc les trois autres portails sont activés, donc c'est le dernier monde. Et c'est le vieux Corbin ça, ou c'est un nouveau marchand? Non, c'est un nouveau marchand. Bienvenue à la frontière de l'ombre. File comme le corbeau, où ton frère est condamné. Quel est cet endroit? Cet endroit m'est familier. C'est normal, c'est le reflet obscur de la flèche de cristal. Un domaine où les démons, et non les anges, montent la garde. Elle a tourné leur regard vers eux-mêmes, et ce qu'ils ont vu les a détruits. Et la clé? Elle est toujours là, liée à un puissant maître. D'accord. Bienvenue à la frontière de l'ombre. D'accord, et si on regarde la map, vu qu'il dit que c'est le reflet exact du machin des morts... Oh, c'est pas le reflet exact, je pensais que la map serait pareille. Pierre noire. Ok, donc là il y a le soleil, frontière de l'ombre. C'est tout. Parce que dans le royaume des anges, on avait le truc principal. On avait un truc à côté, à moins qu'il faudra explorer cette sorte de truc noir là, ce trou noir. Peut-être qu'il y aura un truc à aller voir dedans après. Donc, c'est parti les amis, on y va. Je dois continuer seul. Allez mon cheval. Hop. Bien stylé, j'aime bien. Il n'y a vraiment que le royaume des morts en fait, que j'ai pas trop apprécié. Qu'est-ce qui nous attend ici? Ah mais du coup... Ah mais c'est pas celui qu'on a vu dans le puits qui parlait à l'Arcon. Une sorte de... Comment? Une sorte de gros diable. Ça, s'il y en a un, j'ai peut-être reçu un nouveau truc, je pense pas. D'habitude, ça me le dit. Non, j'ai rien de nouveau. Un nouveau, un nouveau. En tout cas, c'est vraiment joli. Et ça, c'est une porte qui est fermée. Ouais, ça veut dire que si... Ben, là, c'est une supposition, mais vu les têtes, les statues et tout, ça veut dire que le maître de démons, c'est le maître qui ressemblerait à Diablo. Et du coup, c'est lui qui a coupé avec l'Arcom, ce qui fait que je vais devoir lui botter le cul à lui aussi. Ok, alors les amis, donc je sais en fait ce qui fait des retours Windows et ce qui a coupé une fois de plus la vidéo, c'est ce qui s'est passé il y a deux épisodes de ça. C'est en fait un truc qui me fait un retour Windows pour me dire qu'il y a une mise à jour. Donc du coup, on s'en fout, c'est ma vie. Le chapitre du livre des morts est maintenant complet, vous pouvez vendre cet objet à Vulgrim. Ok, j'ai un chapitre... Ok, ça sert à ouvrir ici. Ça sert à ouvrir ici. Donc je suppose que je fasse ça.
je suis pas loin. Voilà, je reviens. Ok, une relique. Relique de Cabot. Ok. Et. Par contre, c'est quoi ça? Un truc à faire là. Non, c'est juste stylé pour éclairer. Je pense pas que c'est juste stylé. Je pense qu'il y a un truc à faire, mais hop, c'est pas le souci. Pour l'instant, on peut pas. Enfin, du moins, ça ne va pas être expliqué. Oh bah, t'es là toi? T'es dans le royaume des morts toi? Là. Bienvenue dans le royaume des ténèbres, cavalier. Si jamais tu me suis. Oh, ne sois pas ridicule. Je sépare les démons de leur argent et toi de leur âme. Où est la différence? Je cherche une clé. Mais bien sûr. Samael conserve de nombreux trésors dans ses coffres, sous la pierre noire. Je souhaitais d'ailleurs en acquérir quelques-uns. Mais rien ne va plus à la cour rouge. Samael n'aurait jamais laissé son royaume sombrer aussi loin dans le néant. Prends garde à ce qui t'attend sur le trône de Samael. On entend de terribles rumeurs. Une reine démente, Lilith, s'accroche au pouvoir. Lilith, comme c'est étonnant. Alors du coup, parle-moi un peu plus de Samael. Samael était là quand j'ai combattu les Néphilim. Il n'a pas dû en perdre une miette. Le démon Samael joue un jeu dont lui seul connaît les règles. Et nous sommes ses pions. Ça, je veux bien le croire. Et la pierre noire? La pierre noire... J'en ai entendu parler. Oui, le trône de Samael, prince du sang, vagabond rouge. Il porte moult noms, mais n'a qu'un domaine. En piteux état. La corruption dévore la pierre noire. Comme elle dévorera les terres de la forge, la cité des morts, et même la terre. Dans quel but? Que veut la corruption? Détruire la création et laisser à sa place le néant. Est-ce qu'on peut la vaincre? Non. Ton précieux équilibre ne peut que la retenir. Ah, mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis qu'un simple marchand. Ouais, tu m'as l'air de savoir beaucoup de trucs pour un simple marchand. Alors du coup, on va commercer. Jette un œil. Qu'est-ce que tu me proposes? Faux putride de foudre, mais ça pue, j'ai des armes vraiment mieux. Ok, t'as rien qui m'intéresse. Ouh, là par contre, t'as des trucs qui m'intéressent. Là, t'as du matos. Marteau putride de gel. 460. 409-451. Ça m'intéresse. Gantelet envoûté. On va prendre le marteau putride. Ah ouais, mais moi j'aime pas trop les marteaux. Moi je préfère les haches. Ouais, du coup on va laisser comme ça, allez, on s'en fout. De toute façon je suis sûr je vais me faire arnaquer parce que je vais le drop dans pas longtemps. Fou. Ah, par contre, là, t'as des trucs sympas. Ok, ça, je comprends. Ensuite, ça, on s'en fout. Et ça, ça baisse ma magie, mon expérience. Ça augmente mes chances de critique et mes chances d'exécution. Hop, allez, on prend. Voilà. Du coup, inventaire. Alors, inventaire, qu'est-ce que j'ai pris? Ça, j'ai pas pris. Là, j'ai pris un truc, je crois. Non. C'est là. Non plus. Ok, c'est ça que j'ai pris. On équipe. Et j'ai pris un talisman. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Si, c'est un talisman. Ouais, voilà. Hop. On équipe.
Et bah du coup, on va aller voir vite fait ce qui se cache à la cour. Ok, là il y a une porte. Alors ça, on m'a dit qu'en fait, les portes comme ça, il y en a une dans chaque monde. Et à chaque fois qu'on apporte un parchemin, enfin 10 parchemins des morts à Vulgrim, il nous donne une clé permettant d'ouvrir la porte de ce monde. Et après, je ne sais pas trop ce que ça fait. C'est sûrement une petite quête annexe pour choper des armes, des trucs comme ça. Et du coup, on va voir ce qui se cache là-dedans. Alors, serait-ce un donjon? Si c'est un donjon, peut-être pas le commencer. La pierre noire. Oh, c'est stylé. Tourbillon. On peut aller par là et on peut aller par là. Oh. Hop, ça je prends. Bah voilà, attaque en jambe de gel, c'est ce qu'il me vendait là-bas tout à l'heure. Est-ce que c'est les mêmes trucs? C'est pas du tout ça. Je pense qu'on va avoir le même pouvoir que celui-ci, mais version... regardez, là-bas il y a les trucs de tout à l'heure. Les versions Royaume des Morts, je pense. Enfin, Royaume des Morts. Royaume des Démons. On va juste regarder ce qu'il y a ici. Ce qui se passe ici. Et ensuite, on va se laisser pour cet épisode. Je pense que si c'est un donjon, on le fera bien sûr dans l'épisode suivant. Ah non, en fait, on arrive direct au trône. Hop, merci d'être passé. Vas-y, mon corbeau, mange ce que tu veux. Merci pour la mise en garde. Vous pouvez vous montrer, Lilith. Oh, bonjour madame. Tu me reproches ma prudence. Tu es la mort. Quand tu surgis, nul n'est à l'abri. Pas même ta chère mère. Vous n'êtes pas ma mère. J'ai créé Absalom en mêlant la poussière d'un ange à celle d'un démon. Et de ce premier Néphilim, les autres sont nés. Ils étaient les frères des cavaliers. Et pourtant, quand vous les avez massacrés, toi seul l'as regretté. Pourquoi as-tu jeté l'amulette dans l'abysse? Pourquoi avoir désobéi au conseil? Pourquoi sauver leurs âmes? Sinon pour un jour réparer tes fautes. Mes fautes? La corruption est née d'Absalom. Elle se répand telle une marée noire, et vous, mère, allez m'aider à l'arrêter. Où est la clé des démons? Entre les mains de Samael. Mais il a disparu à présent. Et la clé également. Oh, n'aie crainte, mon fils. Oh. Le temps n'est pas immuable. Avec ça, tu pourras revenir dans le passé. Avant la chute de la pierre noire, et trouver la clé. Tout ce que je veux, c'est qu'une fois face au puits des âmes, tu écoutes ton cœur, et ressuscites les Néphilim. Tu rêves? Si je les ressuscite, Absalom, il aura son armée, et on va se faire bien baiser. Bah oui, j'ai vu ton petit regard. Alors du coup, Exochrome, version améliorée du Transpatium, permet à Death d'ouvrir une brèche entre présent et passé pour voyager dans le temps. Bien stylé. On va lui parler. Mes yeux me mentiraient-ils? Où est la clé des démons, Biatch? Vous ne m'avez toujours pas dit où est la clé. Je partage son lit, pas ses secrets. Si tu veux la clé, demande-lui directement. Ok, alors où est-ce qu'il est? Samael n'a pas pu simplement disparaître. Death, très cher ami. Tu en sais si peu sur les royaumes infernaux. Un nouvel ordre se met en place depuis la chute des hommes.
Tous les démons luttent pour le pouvoir. C'est bien parce que regardez où est-ce qu'ils sont, Kamna. Ce n'est certainement pas. Moi personnellement, j'aimerais bien en trouver la clé, mais bon, je dis ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Que venez-vous faire dans ce royaume? Ça doit être Samael qui a la clé. Le pouvoir m'attire. Je ne parle pas de la clé de la porte, bien sûr. Le plus puissant de tous les démons de la création. La clé de chasteté. Il aurait certainement pu régner en maître absolu, mais il n'est plus là. À présent, cet honneur en revient donc à mes enfants. Ramène les Néphilim. Et toute la création sera vôtre. Mais à quel prix ? Hop. Alors du coup, on a trouvé la reine, mais le roi n'est plus. Apparemment, il a disparu. Ce qui me paraît chelou, je pense que c'est elle qui l'a fait disparaître. Il doit avoir une couille dans le pâté. Donc, ce que je vais faire avant de me quitter, rien à foutre si ça prend une ou deux minutes avant de me quitter, avant de vous quitter. Sympa le trône, hein, le mec qui m'a fait. Hop, hop, cool, j'ai pris la page de l'idée mort en tapant. Attention, c'est pas grave, j'en ai à bloc. Je voulais des potions, du coup. Non, pas de potion. En fait, elle est toute petite, je la voyais plus grande dans les cinématiques. Du coup, on va juste tester le pouvoir de téléportation dans le temps, voir ce que ça fait en fait. J'ai juste envie de voir ce que ça fait. S'il y a des choses qui changent, si l'environnement change, ou si c'est exactement pareil, mais qu'ils vont juste se faire popper des ennemis comme par magie. Je pense que l'environnement va changer, mais ne sait-on jamais. Alors. Ah, pas mal. La plateforme allait s'aller refaire un, comme si ça devait un retour arrière. Ok, ok. Et ben voilà les amis, nous sommes dans le passé. Ok, la porte derrière est fermée. On ne peut pas ressortir, j'aurais voulu voir dehors comment c'était. Nous sommes dans le passé, je vais pas avancer parce que là ça m'a l'air peut-être d'être un combat. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite dans le royaume des démons, qui est le dernier royaume du jeu, donc on se rapproche de la fin du jeu, mine de rien. Ouh, d'ailleurs la DS a un truc au milieu de son bide. Et moi j'ai hâte de finir ce royaume, bien sûr, en plus qu'il a l'air vraiment stylé. Donc je vous dis peace, à très bientôt, et on ira récupérer la dernière clé de l'arbre de vie. Allez, salut tout le monde. Jenny Bay. And we pretty much amazing. Yeah. Mind your manners.